Salut tout le monde, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière campagne de Battlefield 1 qui est sûrement, enfin je pense, j'espère qu'elle sera la meilleure puisque pour l'instant sur l'introduction la compte pas mais sur 4 personnages il n'y en a qu'un seul pour l'instant que j'ai aimé, c'est l'aviateur. En deuxième ça sera bien sûr l'italien. Et c'est bon, je crois que celle que je déteste, c'est le vieux là en Turquie. Bon, sur ce, c'est parti. Dans les déserts d'Arabie, une insurrection faisait rage bien avant que j'arrive en France. Des tribus de bédouins s'étaient unies pour mener une guerre très différente de celle des tranchées. Par petites unités mobiles, ces gens défièrent la puissance d'un empire, unis par les idées d'un seul guerrier charismatique. Des idées de liberté et de changement. Désert d'Arabie. Un vaste océan de dunes mouvantes et de rochers brûlants. Sous ces étendues de sable, du pétrole, l'or noir, le sang de ce siècle mécanique. Depuis plus de 4 siècles, les Ottomans règnent sur ces terres, contrôlant tout ce qu'elles recèlent. Mais certains s'opposent aux Ottomans. De petites bandes de rebelles bédouins se sont unies pour renverser l'Empire. Ces hommes frappent par surprise, puis s'évanouissent dans le désert. À leur côté, un officier britannique dont les exploits lui ont valu un grand renom. Le monde entier le connaît comme Laurence d'Arabie. Dans le désert, il faut prévoir avec soin, mais compter aussi sur la chance. Elle était à nos côtés lorsque nous avons appris qu'un train ottoman, qui avait récemment déraillé, transportait une cargaison très intéressante. Putain, oh, Uncharted 3 détecté, franchement. Putain, alors ça... Une petite patrouille avait rejoint les Ottomans qui avaient survécu au déraillement. Ensemble, ils gardaient l'épave en attendant des renforts. Nous cherchons à faire ce que nous pensons juste, et éliminons ceux qui veulent nous en empêcher, quel qu'en soit le prix. Et là, on joue une bédouin. Un combattant seul ne possède qu'un avantage sur un ennemi nombreux. Il peut se déplacer sans être vu. Si elles sont puissantes et efficaces, les armes à feu attirent souvent l'attention, ce qui suppose de s'attendre à une riposte ottomane. Ah putain, c'est beau! Je crois que ça va être le meilleur chapitre celui-là. C'est obligé.
zaman bütün hudutlara çekeceksin bir duvar. Sonra hiç böyle uğraşmayacaksın. Yo kardeş, her şey yolunda mı? Lorsque l'ennemi possède de meilleurs équipements et de meilleures armes, il faut les lui voler. Allez, fais un tour par là. Désolé si je suis silencieux pendant les infiltrations, mais franchement, je... Hey, pourquoi il y a des fusils derrière? Je peux pas les prendre. Ah, il me gâte. Voir quelque chose et l'avoir en main sont deux choses très différentes. Allez, toi repars que j'assassine celui sur le toit. J'aurais tenté. Hop là. Ma furtivité est trop furtive. Elle a bien déraillé leur train. Ah, intéressant. Parfait, c'est fini.
t'attendais pas à ce que nous soyons aussi rapides pour te rattraper, n'est-ce pas, Lawrence d'Arabie? Au contraire. J'espérais justement que vous le feriez. Hé, hey, Lawrence. Tu manques pas de ressources. Le chasseur est devenu la proie, on dirait. Et toi, qui es-tu? Ah, mais tu es ravissante, ma petite. Ravissante? Ahmed. Une femme qui serait libre sans des hommes comme toi. Libre, hein? Tu seras libre quand tu mourras. Et laisse-moi te dire une chose, l'Empire a l'intention de vous offrir à tous cette liberté. Très bientôt. En ce moment, une terrible machine de mort écume ce désert. Elle élimine vos alliés, vos familles, vos maisons et tous vos refuges. Bientôt, vous n'aurez nulle part où aller. Nulle part où vous cacher. Bientôt, tout votre monde, et tout ce que vous aimez, disparaîtra. Alors vous serez libre de mourir. Espèce de folle, Zara! Je sais bien que rien ne te rendrait plus heureuse que de lui arracher lentement la peau des pieds et de le laisser nu dans le désert, en courir une mort certaine. Mais avant, réfléchis. C'est vrai. Je suis désolé. Mon ami est parfois un peu brutal. Tu vas m'expliquer comment envoyer de faux ordres. Nous allons attirer ton train dans un piège et le détruire. Impossible. Pour établir une liaison avec ce train, il te faudrait un livre dans tous les codes de communication. Oh, allez, t'en sors là, peut-être. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès des machines. Un jour, le reste du monde vous enlèvera vos terres et s'emparera du précieux or noir qui dort sous le sable.